Salut tout le monde, c'est The Phénomène. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour un glitch qui va vous permettre de vous téléporter en 1.35 et en solo. Donc tout d'abord vous devrez rejoindre un ami. Donc soit par depuis le menu de GTA 5, soit par une invitation ou le chat de partie, peu importe. Donc moi je l'ai rejoint par une invitation puisqu'il était en partie privée. Donc si ça ne vous met pas de message d'erreur comme moi, donc ça va. Si ça vous met un message d'erreur comme quoi le mode de visée est différent, donc c'est normal, donc ça va partir du glitch, mais il faudra aller plus loin dans la vidéo. Donc si vous n'avez pas de message d'erreur comme moi, donc c'est bon. Donc là, quand vous spawnez, bon, vous devrez aller dans l'éditeur tout simplement. Et vous devrez faire start. Aller dans les paramètres, commande, mode de visée, vous devrez mettre mode de visée libre, tout simplement. Une fois que vous aurez changé le mode de visée, il vous suffira juste de repartir en session go, donc faire start en ligne et jouer en ligne, enfin aller en session go quoi, en session publique. Voilà, start en ligne, jouer en ligne et go. Donc là, quand vous allez respawn, il vous suffira juste de rejoindre une activité. Donc moi je rejoins une course casse-cou, mais bon après ça vous téléporter, si c'est une course casse-cou rose, ça va pas vraiment vous téléporter au point de la course casse-cou, ça va vous téléporter ailleurs. Donc prenez bien une activité qui est en bleu, style je sais pas, une course normale, un saut en parachute, un affrontement. Du moment que c'est en bleu, ça va. Et une fois que vous aurez rejoint la course et vous serez dans le menu, vous devrez tout simplement rejoindre un ami. Donc depuis le menu PS et dans la chat partie, ou alors dans l'option des amis. Et ça va vous mettre comme quoi vous voulez vous rejoindre vraiment cette session machin machin. Vous devrez faire croix. Et ça va vous dire que le mode de visée est différent. Il vous suffira juste de faire rond. Vous pourrez vous apercevoir que vous allez respawn au lieu de la course, vous voyez. Et que les courses roses, qui sont des courses casse-cou, ça ne vous fait pas spawn à l'endroit de la course, ça vous fait spawn ailleurs. Donc prenez bien une activité bleue, donc moi c'est ce que je vais faire. Regardez la course, casse-cou elle était en vrai en bleu à côté de moi, on peut la voir. Donc prenez autre chose, donc moi j'ai pris quelque chose il me semble à côté de l'aéroport. Donc là ça vous met comme quoi c'est pas possible de le rejoindre à cause... Non c'est pas ça, c'était un autre message d'erreur, ouais. Je sais pas, c'était un message d'erreur bizarre, je suis trompé, excusez-moi. Donc là vous rejoignez un ami. Je sais pas pourquoi j'ai un message d'erreur tout à l'heure. Donc vous rejoignez un ami, comme tout à l'heure. Donc là, ça vous met le message d'erreur, vous le refusez. Enfin, le premier, vous l'acceptez, le deuxième, vous le refusez. Et vous allez voir que vous allez respawn au lieu de la course. Donc c'est très simple. Hein. Vous rejoignez une course depuis le menu, depuis la course, mètre carré. Et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et vous abonner à ma chaîne YouTube si mes vidéos vous plaisent. Et bye tout le monde.